Et tu es pour ou contre faire l'amour le premier soir? Je suis pour. What? Que ce soit le premier ou le centième soir, c'est la même chose. Femme! Et puis la personne arrive là comme 5 coups comme ça, tu es capté, je me pète mon cou! Femme! Non! Oh, quittez là-bas! Quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Vanessa. Enchantée Vanessa. Plaisir est partagé. Alors, tu es pour ou contre les relations du premier soir? Dans le terme du premier soir. Contre. À peine vous vous rencontrez, le même soir il te plaît, tu le plais. Vous le faites. Ça c'est niet jamais. Mais pourquoi? Non mais parce que c'est comme ça. Non, on peut pas rencontrer un homme et aller avec lui le premier soir. C'est pas possible, non. Mais le premier soir. Non. Quand même. Que tu le fasses le premier soir ou le dixième soir. Pour moi, c'est niet. Même si je suis attirée par toi, quand même si tu es l'homme le plus beau de la terre, le premier soir, c'est niet. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Elle est difficile. Oui. Je ne dois pas montrer que je suis si facile à attraper. Voilà. D'accord. Il faut combien de soirs à peu près pour que tu commences à espérer non, que. Non, ce n'est pas question de soir. Ça dépend de la confiance que je mets en toi. Déjà, oui. C'est difficile mais pour la moi. La confiance peut arriver le premier soir. Non, non. Pour moi, ça ne peut pas arriver le premier soir. Il ne fait pas confiance alors, même pas à 10%. Donc, ça dépend de la confiance que je vais mettre en lui. Mmh. Voilà. Je te remercie, ma chérie. Merci. Et toi, ma chérie? Bon, il y a des cas où ça peut être possible, ça arrive. Et un cas où ça peut être possible, c'est quel cas par exemple? Bon, ça dépend aussi de la fille qui se présente à l'homme. Mm-hmm. Si la fille est trop attirée, trop sentimentale vis-à-vis de l'homme, elle peut se laisser aller. Mm-hmm. Oui. Donc mais tu es pour ou tu es contre? Non, je suis contre. Mais tu dis bien que l'attirance peut être très grande et on ne se retient pas. Oui. Mais pourquoi tu es contre alors? Non, moi je suis contre. Et pourquoi tu es contre? Je ne peux pas me donner à quelqu'un que je connais à peine. Mais tu as tiré par lui. Oui, je vais essayer de me retenir. Je veux essayer de me retenir, mais me donner comme ça le premier jour, le premier soir, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Je te remercie. De rien. Merci. Vous êtes pour ou contre les relations du premier soir? Donc le premier soir que tu rencontres quelqu'un, il te frappe à l'œil, il est tellement élégant, ça te plaît. Tu peux pas faire avec lui? Non, je suis contre. Pourquoi? Parce que c'est pas logique. Tu ne connais pas la personne avec qui tu entretiens les rapports. Oui, mais en même temps, si c'est le premier soir ou le deuxième soir ou le cinquième soir, est-ce qu'il y aura une différence? Bien sûr, il y aura une différence. Là, il va avoir une connexion entre nous. La connexion peut naître le premier soir. Donc, non. Dès que tu le vois, ta connexion naît directement. L'autre connexion, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Non. D'accord. Ça, c'est terrible. Je te remercie. Continue. Est-ce que vous êtes pour ou contre les relations sexuelles le premier soir? Je suis contre. Contre pourquoi? Je trouve que c'est pas logique, quoi. C'est pas normal. Oui. Il faudrait déjà que, avant de passer à l'axe, c'est quelque chose de sacré pour moi. Donc, il doit déjà avoir une relation entre vous qui soit premièrement très bien tissée, une complicité, quoi. Oui. Avant que vous ne passiez à l'axe. C'est pas quelque chose qui se fait d'un coup d'un soir comme ça. Oui. Donc, quand on parle de relation, c'est que c'est quelque chose de. Donc, ça veut dire qu'un soir comme ça, tu vas t'élever dans un excès de folie, tu décides que non. J'ai vu qu'elle me plaît. Il y a peut-être des coups du soir, mais pas chez moi. Hein. Ça n'existe pas. C'est vrai que pour d'autres, ça existe. Oui. Il y a des coups du soir où ça peut, juste par flash ou par passion, tu vas aller avec lui et après tu te diras, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ce sera déjà passé. Donc, tu es pour ou contre ce type de relation? Moi, je suis contre. Oui. Je te remercie. Parce que j'ai des dossiers en béton dans ma tablette ici. J'ai plein de dossiers. Est-ce que tu es pour ou contre les relations du premier soir? Donc, déjà, tu rencontres une fille le premier soir, pas t'es fait. Non, mais c'est quoi? C'est pour. Pardon? C'est normal, c'est la logique. Hein? C'est la logique. La logique comment? Donc tu n'as pas besoin de la connaître, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'elle est, ça ne t'intéresse pas. Si on prend même le cadre de la religion, Adam et Ève n'ont plus le temps de se connaître. Ça c'est déjà du blasphème mon ami. C'est vrai.
ils sont, Dieu les a. Bon, c'est vrai qu'il s'est levé le matin, il a directement vu Ève. Et il a aimé une fois. Mais est-ce qu'ils ont fait? On n'était pas là. Mais il a une seule fois aimé. Oui. Donc moi, que ce soit le premier soir ou le dernier soir, l'acte doit se faire, normalement même le premier soir. On dit que l'appétit vient en mangeant. En mangeant, oui. Vous voyez un peu, non? Ça mange alors qu'on peut pratiquement aimer la personne. Aimer la personne. Donc, ça, c'est je te remercie. Avis. Les Camerounais, convoquez-moi les Camerounais ici. Appelez-moi tous ces Camerounais, là, je dois les parler. Est-ce que vous êtes pour ou contre les relations sexuelles le premier soir? Je suis contre. Pourquoi? Parce que, bon, ça ne montre rien. Bon, ça me, pour moi, moi-même, pour moi, je ne peux pas. Non, tu seras pas fier qu'un soir, le premier soir que tu sors, tu pars en boîte, tu rencontres la première fille, vous partez. Donc... Oui, c'est trop facile. C'est lui montrer que non, c'est seulement ton corps qui fait en sorte que. Oui, mais il y a les moments comme ça que tu n'as pas besoin d'une relation solide. Tu veux juste quelque chose d'un soir. Bon. C'est moi particulièrement, ça ne peut pas, ça n'entre pas en couple au moment dans ma tête parce que ce n'est pas ça que je regarde. Chez une femme, c'est pas ça que je regarde. Et est-ce que vous êtes pour ou contre les relations sexuelles le premier soir? Donc le premier soir que tu rencontres, tu vas t'épiner. Je suis pour. Et pourquoi ça? Pourquoi? Ah, je ne sais pas quoi il peut expliquer, mais je suis pour. Mais ça t'intéresse. Ça m'intéresse. Tu serais très content de rencontrer une fille le premier soir, elle te donne. Oui, parce qu'une fille aussi qui te voit aussi le premier soir, elle n'a pas aussi froid aussi pour te manger. Ouais, c'est pour ça donc je suis pour quand on le premier soir. Que tu manges aussi, ça part. Ah, qu'elle mange aussi, ça part le premier soir. Ah, je te remercie. Okay. Avoir honte de rien dans sa vie au final. Est-ce que tu es pour ou contre les relations sexuelles le premier soir? Je suis contre. Parce que déjà, du côté de la fille, c'est pas trop digne de s'exposer, de se dévoiler à un homme le premier soir. Ouais, mais pourquoi ça? Il y a les filles qui... que ça ne dérange pas d'aller le premier soir. Bon, chacun aussi a ses objectifs. Peut-être tu peux avoir envie, mais moi je trouve que c'est pas cool. Moi personnellement, je peux pas. Non, tu peux pas, tu es contre ce genre de relation. Oui, je suis contre. D'accord, je te remercie. Et les filles sont aussi sages. C'est pas tous les gars qui ont, toujours les gars qui ont les abdos, le bon corps là, qui sont bien. Une vraie fille ne doit jamais laisser un gars qui a 6 voitures, 6 meubles pour un gars qui a 6 abdos. Est-ce que vous êtes pour ou contre les relations sexuelles le premier soir? Moi particulièrement, non. Le premier soir, donc la prime, tu la rencontres, elle te donne? Non. Mais en même temps, le premier soir, elle mange ton argent? Je parle plus pour elle parce que ça montre que non, c'est... Non, pour toi. Pour moi. Pour toi, oui. Pour moi, un garçon, ce serait une bonne chose. Tu sais. C'est le chanvre, parce que moi, je la consomme. C'est une bonne chose. Je serais content. Très content que, oui. À peine qu'elle a mangé, elle t'a donné aussi. Oui, mais le problème, c'est que pour une longue relation, une relation vraiment durable, ce n'est pas du tout sérieux. Pour une relation qui va durer, tu penses que ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Oui. Mais en même temps, à peine que si tu goûtes la première fois après, ça peut, tu peux avoir toujours envie de goûter, on ne sait jamais. Oui. Mais en fait, le plaisir réside plus dans le fait que tu n'as pas encore goûté. C'est un peu comme par exemple le chocolat. Le meilleur moment du chocolat, c'est lorsqu'on ouvre le chocolat avant de goûter. Ouais, un peu non. En fait, le plaisir qu'on a de pas avoir couché pour la première fois, je pense que en fait, c'est ça. On ne devrait pas coucher le premier soir, je pense. Il faudrait plutôt attendre pour si vraiment. On tient la personne. Si vraiment on veut vraiment une relation durable, c'est vraiment pas sérieux de coucher le premier soir. Si ce n'est pas une relation durable que tu veux, et que toi tu veux, et qu'elle veut, tu fais comment? Tu valides? Oui. D'accord. Donc, mais tu n'es pas quand même pour le fait que les relations du premier soir. Oui. Je te remercie. Merci. Et tu es pour ou contre faire l'amour le premier soir? La première fois que tu rencontres quelqu'un, tu le fais avec lui le premier soir. Bon, je suis pour. Oui. Pour parce que déjà... Quand quelqu'un t'intéresse, je ne vois pas ce qui peut t'empêcher. Rien ne doit te retenir. Rien ne doit te retenir, donc que ce soit le premier ou le centième ou soir, c'est la même chose. Je te remercie, ma chérie. T'en prie. Elle bibe des oraux, la voix des sans-voix, le clairreur de conscience africaine.